Yeah. Scandale, donc film américain euh, incontournable cinéma ce matin. Hugues Daillé, scandale qui retrace une autre affaire de harcèlement sexuel. Vous l'avez dit après l'affaire Weinstein. Oui, alors le décor c'est la rédaction de Fox News pendant la campagne électorale de euh, Donald Trump. Alors Fox News, propriété de Rupert Murdoch, chaîne ultra réactionnaire qui faisait campagne totalement sans complexe pour Donald Trump. Et on voit au sein de cette chaîne le combat de trois femmes. Il y a d'abord Megyn Kelly qui est une présentatrice vedette de la chaîne incarnée par Charlie. Qui est totalement méconnaissable, puisqu'elle a essayé de ressembler à Meghan Kelly. Et Meghan Kelly ose faire des interviews qui ne sont pas des interviews de complaisance de Donald Trump. Et tout de suite, elle, 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 reçoit la, elle subit la colère de milliers de téléspectateurs qui lui font des remarques abominablement sexistes euh, et jusqu'à la harceler chez elle. Il y a une autre femme, euh, Gretchen Carlson, qui est jouée donc par. Euh, Nicole Kidman, qui est jugée ennuyeuse par le directeur de la rédaction Roger Ailes, euh, qui se fait limoger et qui contre-attaque en dénonçant justement hum, les tactiques de promotion canapé de Roger Ailes au sein de la chaîne et le sexisme ambiant. Et justement, une troisième jeune recrue, incarnée par Margot, Ro Margot Robbie, va vivre au jour le jour euh, cette politique de la promotion canapé et va la découvrir avec effarement. Donc, à travers le combat, de ces trois femmes, c'est montré euh, toute une mentalité. Non seulement il y a eu la personnalité de Roger Hills qui, qui a été vraiment incriminée, mais tout un, un climat ambiant complètement sexiste euh, au, au sein de Fox News. Alors, euh, c'est évidemment un film totalement d'actualité et c'est son mérite. C'est incroyable de voir combien un certain cinéma américain est capable de s'emparer de l'histoire immédiate. C'est un petit peu comme si en France, vous aviez un film sur les Gilets jaunes. Il faudra peut-être attendre 20 ans pour en avoir un. Et il faut toujours une sorte de recul frileux. Alors qu'aux USA, on s'empare directement euh, des problèmes sociétaux et politiques. Et c'est tout à l'honneur de ce cinéma américain-là. Hein il faut dire que les trois actrices que j'ai citées ont coproduit le film. Donc elles se sont euh, terriblement investies dans l'aventure. Scandale donc basé sur des faits réels. On l'a compris, euh, Hugues Daillé. Dans un registre infiniment plus léger, revoici le docteur Doolittle, incarné euh, dans cette. Nouvelle version par Robert Downey Jr. Alors, ceux qui ont grandi dans les années 60 se trouvent se souviennent du merveilleux Rex Harrison et de son haut de forme euh, qui parlait, donc docteur qui était capable de parler aux animaux. Alors euh, dans les années 90, on se souvient plus douloureusement de Eddie Murphy qui c est. C'est ça, moi c'est plutôt rôle. le souvenir que j'en ai. Oui, et qui <laughs> le trahissait complètement. Non, en fait, au départ, il y a des romans d'un certain Youth Lofting mm. et ça se déroule à l'époque victorienne, au 19e siècle. C'est très. Et en Angleterre. Alors ici, justement, on redécouvre ce docteur totalement excentrique, un peu coupé du monde, qui parle surtout aux animaux et qui va partir dans un long voyage, à long péril, pour trouver une potion, un antidote pour soigner la reine d'Angleterre victime d'un emprisonnement. Écoutez, c'est bien simple, je serai enfant aujourd'hui, ce film sera un émerveillement absolu. Hey. Un film déjà un film culte parce que je trouve que euh, l'animation en image de synthèse des animaux est parfaitement réussie comme dans Paddington. Le scénario regorge de trouvailles et de gags. Robert Downey Jr. A, a, a le décalage suffisant pour incarner un personnage fantasque. Il y a un très très bon scénario. Donc les enfants peuvent être émerveillés par des scènes avec des trouvailles formidables. Et surtout, les parents peuvent également avoir beaucoup de plaisir parce qu'il y a énormément d'humour, voire de l'humour au second degré. Il est évident que la version anglaise est encore plus magnifique parce que le casting des voix, il y a Emma Thompson, Ralph Fiennes pour incarner les voix des animaux. Donc, si vous avez même l'occasion, allez le voir en VO. Voilà. Vous avez conservé votre âme d'enfant, euh, Hugues Daillé, non Mais c'est bien connu derrière ma rue d'Écorse. <laughs> et puis un face-à-face -face inédit hein, dans une nouvelle comédie française, Danny Boone et Catherine qui se donnent la réponse. Dans le lion, oui, Catherine incarne un psychiatre qui a parmi ses patients, euh, monsieur Milan euh, Danny Boone, qui se fait appeler le lion et qui se prétend agent secret interné par erreur. Alors, Romain, le psychiatre, voit sa fiancée mystérieusement enlevée et il n'a d'autre solution que de se faire aider par ce peut-être agent secret en euh, l'aidant à, à s'échapper de l'asile et commence alors une force, une, une folle course poursuite à la recherche des ravisseurs de la fiancée. C'est comment? C'est écrit par les scénaristes du boulet, ça utilise tout. Les ressorts de la comédie de duo, qui a une longue histoire. Hein, si on se rappelle de Gérard Houri avec oh oui. Carapat ou de La Chèvre de mm -hmm. Francis Veber, c'est une tradition. Ici, le seul veri... c'est une comédie d'action. Donc, il y a aussi des acteurs qui font leur propre cascade. Il y a Danny Boude qui a dû apprendre à piloter un hélicoptère, etc., etc. Donc, c'est surtout une comédie d'action. Mais euh, le principal atout, c'est évidemment le contraste entre les deux. Euh, on n'attend pas du tout de voir Danny Boone face à Catherine. Alors, c'est pas du tout, du tout, du tout ma tasse de thé. Mais je trouve que dans ce registre de cinéma populaire, euh, de par le duo, c'est regardable. Est, on n'est pas du tout dans la vulgarité d'un camping ou d'un truc comme ça. On n'est pas non plus dans la subtilité de la Belle Époque de Nicolas Bedos pour donner. Voilà, on, on est à mi-chemin, mais disons que dans le registre de cinéma comédie d'action populaire, euh, ça fait le boulot. Moi qui pensais que ce n'est pas du tout mon, ouais. mon registre. Moi qui pensais que vous alliez le désinguer. Non parce qu'il y a. Philippe Je suis un peu déçu. Il y a Philippe Catherine pour le. Oui c'est vrai. C'est vrai. J'ai un petit faible et euh, vous savez il a une formule merveilleuse. Je lui dis mais qu'est-ce que vous êtes allés faire là dedans Il dit mais j'adore être en vacances de moi-même. Je trouve ça merveilleux. <laughs> voilà. Bon voilà. Dites, que euh, vous et votre âme d'enfant derrière votre rue des Corses, vous reviendrez mercredi prochain. Oui, oui, avec mon chapeau de docteur Dolittle que je vais essayer de trouver au Farce à Trappes. Merci pour ce menu cinéma à la semaine prochaine.